Jim's a film. Me, oui, le Ghostbusters et le milieu. Guess to say. Oh, ça c'est le Vantom de Tommy Ricketts. It'll be BBC at Bray Le Gur. Could you put pilot at that film? Something strange. D'accord. Sugar and the Ghostbusters, d'accord? Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu as vraiment le pantone de Tommy Ricketts? Oui, c'est ma maison, j'ai vu ici. Est-ce que tu as vraiment le héros de la Première Guerre mondiale? Oui, je suppose. Est-ce que je te demande des questions, s'il vous plaît? Oui, d'accord. Est-ce que tu veux asseoir? Je suis un fantôme, mais si tu veux. Ok. Donc, quand est-ce que tu étais née? Je suis née le 15 avril 1961 dans Midland, Waipé. Oh, et est-ce qu'il y a vraiment que tu joins l'armée à l'âge de 15 ans? Oui, c'est une décision très foule, mais c'est quelque chose qui est devenu très important pour Terre-Neuve. Et aussi, je sauve beaucoup de vies de mon ami et les autres personnes dans mon groupe. Décrivez-moi avec ton expérience dans l'armée. La vie dans l'armée était très très difficile. Nous sommes portés les sacs à dos avec l'arme, la nourriture et toutes les choses que nous besoin. L'entraînement avec les batailles était aussi difficile, mais la vie dans les tranches était la plus pure chose. Qu'est-ce que vous avez fait pour être donné le titre d'un héros de guerre? Il y était un froid matin dans l'octobre, le 14 d'être exact. Je n'oublie pas ce matin du tout. Nous avions dans les tranchées pour presque 3 jours, à temps pour le signal de commence l'avance à l'ennemi dans la bataille de Legen dans la Belgique. Finalement, nous attendons le signal et le commence de terre. Nous avions atterri pour la première 2 lignes de bouge avant de notre tour. Quand il y était notre tour, nous sauvions de la tranchée et j'ai vu quelque chose que je n'ai rien vu dans ma vie. Il y a beaucoup de morts, les victimes partout de terre, puis une autre mauvaise chose devenue. Après seulement 300 yards, nous utilisons toute notre munition. Donc, je bénévole de courrier 100 yards de l'effrontail d'obtenir plus d'armes. Après j'obtenais les munitions, il n'y a pas de victimes de notre côté. Nous attrapons 8 prisonniers, 5 armes de terrain et 4 armes de machine. Dans la fin, nous gagnons cette bataille. C'était très honorable. Est-ce que tu as reçu quelque chose pour ton acte héroïque? Oui, je reçois la croix de Victoria par le roi de Britannique, George le Cinquième. Je suis le roi George le Cinquième de Grande-Bretagne. Je te donne la croix de Victoria pour ton acte héroïque. Qu'est-ce que se passe quand tu retournes à Terre-Neuve? Je veux retourner à Middle-Arm, mais ils disent que c'est nécessaire pour moi à rester dans Saint-Jean. Donc j'ai trouvé la pharmacie et créé une entreprise très réussie à Saint-Jean. Quand et comment est-ce que tu as été mort? Je suis mort d'une crise cardiaque sur le 10 février 1967 à l'âge 66.
Et quelque chose juste pour Liam. Yeah, go. What? Over here. Yeah, because I ran into the screen and then we followed it. Gabriel! Oh! That was pathetic! That was the worst thing I've ever seen. Okay. Okay. I just got the nerve to do it. Okay, now go. Evangeline! Strange in the neighborhood. Who you gonna